Si avec un pile plaisir nous entrer la caillou pour nous venir parler des États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique, et bien qui c'est un plus gros pays qui jamais existé sous la terre et qui c'est certainement première puissance que la terre baille. Et bien oui, je dis à nos géofoot, nous venons parler de un gros gros tonton l'obeille et là quand même parler d'un gros gros tonton merveille. Oui, c'est un merveille de pays. L'OTAN a parlé des États-Unis d'Amérique. Et bien c'est pays ça nous venons présenter aujourd'hui à dans quatre géofoot ça que Radio Télévision Caraïbe, Radio Télévision Grande Puissance t'a porté pour. Alors forme d'une semaine ça, c'est semaine côté drapeau américain bra le faire actualité tout aux États-Unis. C'est bra le fête les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique qui célébraient indépendance hein, le 4 juillet. Et bien chaque jour même c'est fête États-Unis. Quitte nous en novembre, quitte nous en octobre, quitte nous en décembre, quitte nous en janvier, quitte nous en février, quitte nous en mars, par États-Unis remet drapeau, États-Unis remet célébrer drapeau, chaque jour c'est fête États-Unis principe tout. Alors les États-Unis d'Amérique, eh bien oui, c'est un plus gros pays qui est sous la terre. Alors, première image d'ap commencé, c'est l'image de M. Sayo, que relè les pères fondateurs des États-Unis. Eh bien oui, dossier États-Unis, c'est l'allié Timoun. M'a parlé de plus gros pays qui existait sous la terre. C'est lui-même qui est numéro 1. Gen moun ki d'accord, gen moun ki pas d'accord. Mais d'accord ou pas, numéro 1, hein, son numéro 1 incontestable. Pour l'instant, journée jodia, l'OTAN de parlé des États-Unis d'Amérique, eh bien, son numéro un, incontestable. Oui, incontestable que États-Unis. Image d'abgade, mais c'est image Monsieur Sayo qui c'est des pères fondateurs du pays. Alors, les États-Unis, ça nous est sous carte là, donc c'est carte géographique États-Unis. Donc, n'a pas un paquet monsieur, tout petit monsieur Sayo, eh bien, c'est monsieur qui a bataille pour bailler pays à indépendance, et c'est eux-mêmes tout pour le bailler pays à constitution que le gain, hein, qui sont constitution plus ou moins libérale, côté à 10 ans même, pas question pour obéi avec yon roi. Donc il pas question en même pour yon obéi avec yon roi. Donc yon pas gen plan pour yon obéi avec un monde qui lui-même c'est roi. En tout cas, c'est réalité à ça. L'OTAN de parler en même des États-Unis d'Amérique. Donc États-Unis d'Amérique son gros lobo, son gros mosso, son bel mosso les parler des États-Unis. Alors États-Unis je ne jodi a, ça c'est carte géographique là. Alors, quatre géographiques là, qui gagne Canada, États-Unis la donne. Alors, pour qui ça Canada, États-Unis? Parce que États-Unis après Canada, l'avant Canada. Ça dit Canada dans mi-temps États-Unis. Donc, vous obligez à même considérer le comme ça. Parce que, gon parti dans le territoire américain, gagne un État que États-Unis lui-même était acheté. Dans mon pays, il y aurait la Fédération de Russie. État, ça y aurait l'Alaska. Et bien, Alaska, il y a après Canada. C'est-à-dire, l'on a quatre géographies États-Unis. Hein? Donc, généralement, quelconque, ou obligé font tirer aller Canada ou font tirer zoom les plus. Donc, les États-Unis, il y a 48 territoires là-dedans, 48 États qui constituent ça, ou le mainland là. 48 États, ça y est, c'est-à-dire, dans le territoire continental, les États-Unis, eh bien, c'est bel mosso, c'est gros mosso. Gen deux lots qui ont même vu dans dernier. Yon, c'est Alaska, moi dis non, que États-Unis t'a acheté dans la Fédération de Russie. Alors, la Russie va te connaître si Alaska a un pétrole. Non, les États-Unis t'a acheté là. Non, non, comme États-Unis, il va le payer. Et ensuite, les États-Unis prennent contrôle de l'autre territoire qui est dans le Pacifique. Là, son côté, moi, en pile, que Aurélie Hawaï. Et bien, Hawaï, c'est même sur le territoire que États-Unis prennent contrôle dans le Pacifique. Là, ça va le faire donc 50 États qui constituent en même union, sa fédération, ça, que Aurélie les États-Unis d'Amérique. Donc, il y a pas l'eau des États-Unis d'Amérique. Donc, il y a pas l'eau d'un gros lobey, n'a pas l'eau d'un bel lobey, n'a pas l'eau d'un gros moussou. Alors, ça, de pouvoir parler des États-Unis, beaucoup à là dedans, non, c'est par l'armée américaine. Et bien, l'armée américaine, son gros gros tonton mosso aux États-Unis, l'armée américaine, c'est symbole pays à tout. Et bien, là, c'est drapeau, les États-Unis d'Amérique, là. Drapeau, à, donc, qui c'est bannière étoile, là. Donc, 50 étoiles pour 50 États qui constituent les États-Unis d'Amérique. Alors, à l'heure actuelle, eh bien oui, m'ba connaissier qu'on s'a la pied demain, si qu'on s'a la pied après demain. Eh bien c'est Joe Biden. Donc Joseph Robinette Biden, c'est lui-même qui a dirigé m'ba connait pour combien de temps. Parce que dans débat yo, monsieur mal sonné en même. Oui, monsieur était mal sonné dans débat pour président yo. Donc m'ba connait en même si monsieur a ka récupéré. Vice-président, eh bien oui, c'est Kamala Harris, c'est lui-même qui a secondé donc président américain Joe Biden dans tâche ça. Mais n'a pour réserve ti moun, m'font pas arrêter Donald Trump parce que m'ba jamais connait ti moun si m'a ba reprise dans quelque c'est Donald Trump qui président pour moun pa vin di mais pas Donald Trump pas là li lazan même li candidat à la présidence tant l'aime t'a fait émission gen doit lui même qui vin président donc m'ba konnen moi même m'ba konnen tout mettre là moi son moun konsa bien reçu un homme prudent vaut deux oui oui emmerder les mots. Alors là m'bra parler des États-Unis que nous tout connaît que nous tout penser nous connaît que nous tout croit nous connaît États-Unis ça m'bra parler nous de l'IA. Et bien États-Unis ça c'est les États-Unis qui constituent ça réalisant même yon méga
pôle économique. États-Unis, c'est la première puissance économique de ce monde. Pas gagné aucune puissance sous la terre qui est aussi riche que États-Unis. États-Unis, nous prenons la même là, son dividal entreprise, son dividal richesse, son dividal grand nègre. Et bien, c'est ça nous prenons aujourd'hui. Il y a parlé des États-Unis d'Amérique, il y a parlé de la fine fleur de l'économie mondiale, des industries de pointe à n'en plus finir. Mais messieurs, dames, permettez-moi de vous présenter ici, ah oui, chez Télé-Caraïbes, la grande dame de la rue Chavannes. Eh bien, oui, Zamam, les États-Unis économiques. Ce sont des États-Unis économiques. Groupe n'a pas les là, on va le représenter pays. Ça, c'est Amazon. Amazon, Zamam, qui pas fait un produit, mais c'est on qui a distribué plus de produits que sous la terre. Quittez le marché, Zamam. Eh bien, Amazon, c'est pour monsieur Jeff Bezos, que Amazon y est, qui c'est un monde qui est plus riche qui gagne sous la terre. Là, on regarde donc Amazon. Amazon qui est même dans la distribution. Sous les bagages, on a besoin de vendre, c'est Amazon. Eh bien, Google. Google, Zamam. Qui c'est propre, alors groupe normal la relé Alphabet, mais c'est Google ou ap konnen. Google c'est moteur de recherche ça, qui a emmagasiné toute donnée gen, toute information gen sous la terre, et bien sur Google zanmanm. Et bien Google, et bien c'est lui même zanmanm, et bien oui, qui a emmagasiné, et bien oui, pile information gen. Alors c'est pour même groupe lié avec YouTube, ça dit pour groupe Alphabet là. Mais c'est ça aurait les GAFA aux États-Unis. Donc GAFA Timon et même gétan bon de la donne. Alors président et États-Unis ensemble l'a dirigé yon mastodonte économique. L'autre là dit même c'était F la Timon que le té, je ne jodi al M. Et ben c'est Meta. Meta et ben oui c'est Facebook. Facebook lui-même ensemble qui lui-même gagne plus que 1.3 milliard d'abonnés la donne qui va le prendre plaisir sur Facebook. Et gan pile là nous k'ap gade m sous page Facebook Fernand de estimé. Gan pile là nous k'ap gade m la sous page Facebook Fernando estimé. Donc c'est ça zanmanm. Les États-Unis, gogo tonton mastodonte ça nous wea. Et ben oui, pile état ça que nous wea. Et ben oui, les États-Unis zanmanm, c'est un gogo tonton espace économique. Évidemment, dans banque États-Unis, c'est choisi qui m'a besoin. Ça c'est JP. Oui oui, et JP Morgan Chase. Et ben oui, qui sont gogo tonton groupe économique. Ça c'est Bank of America. Moi l'aime te rivé États-Unis, m'gen l'esprit, m'ban c'est banque là et banque l'état lié. En tout cas, c'est Bank of America. Bank of America qui gagne drapeau États-Unis la donne. Donc c'est la banque des États-Unis d'Amérique. Donc Bank of America. Moi même tout pensé ça même c'est pour l'Amérique banque là et moi pensé m'était ca si m'américain m'tap gagne bonjour dans banque là ça est Citibank et eh ben Citibank et eh ben oui tout ça aux amam c'est des grands groupes économiques. Ça c'est Wells Fargo. Wells Fargo c'est une plus gros banque qui gagne aux États-Unis ou même cap garder là sous chaîne 22 télévision Caraïbes. Et eh ben juste imaginer ou gagne banque tout là c'est l'homme qui était l'homme le plus riche du monde mais qui peut devenir également l'homme le plus riche du monde. Ce monsieur c'est Elon Musk. Il va aller au Haïti de temps en temps le jour à Haïti faut me dire nous ça on l'aime te répondre ni tout anglais en mettre les mots. Et bien Elon Musk c'est monsieur Sazamam qui c'est yon nan moun ki pi riche sous la terre. C'est pour lui Tesla, c'est pour lui réseau social que reli X là, ça ou reli Twitter là et tout. C'est pour lui Zamam Tesla, c'est pour lui SpaceX, c'est pour lui Starlink. Starlink qui faut gagner internet en Haïti, c'est pour lui. Monsieur Sal mouri déjà, c'est Steve Jobs. Mais pendant mouri ya, c'est grâce à lui faut gagner doit garder là. Monsieur ça c'est lui même qui fait association ça. Son gros association ici moun. Monsieur va l'inventer un paquet de bagaille. Le gars des MacBook là, le gars des Apple, tout c'est pour lui Zamam. Et bien MacBook Pro, iPhone, iPad, iPod, toutes ces inventions monsieur ça qui c'était un monde qui était plus riche sous la terre malheureusement qui malheureusement mouri ces temps-ci. Et monsieur mouri par contre c'est la relève encore, pas égal à faire mourir relevé, m'pa jamais connais moi-même. Mais monsieur Zamam, c'était donc yon nan moun ki te pi riche ki te gagné sous la terre qui rele Steve Jobs. En tout cas, Chase, JP Morgan, eh ben oui, c'est groupe ça donc qui au même zanmanm son gogo tonton mastodonte économique qui au même dans secteur financier, dans secteur bancaire. L'on parle de livraison, l'on parle de distribution manger. Eh ben oui, là où nan Walmart, Walmart zanmanm, Walmart c'est pi gros chaîne de magasin que pays a gagné, chaîne de distribution que ma pays a gagné. Walmart vend tout bagay. L'aime dit tout bagay la tout bagay net. Ou pas besoin réfléchir dans Walmart même zami ou van ou pas même réfléchir ça y tout ce qu'on a besoin Walmart van yo net. Walmart c'est pour famille Walton nan qui c'est une famille plus riche qui gagne aux États-Unis. Walmart qui c'est numéro 1 mondial dans koto el ya dans kekayri koto el ya zanmanm. Ça y en pile côté m'a bon là chaque semaine de aux États-Unis c'est numéro 1 lié là dedans en pile là dedans. Ça c'est Chevron. Chevron c'est pour lit Texaco pour ou même qui pas connait Texaco dans Texaco yo pomper ça ou vli. Et ben dans Chevron c'est lui même qui devine acheter Texaco son ça relon major pour pétrolier. Donc son major pétroleum, et bien ou que lié son major pétrolier Chevron qui sont gros gros ton groupe américain. Pas oublier pour moun ki pa konnen parce que grand pile moun ki doit pas konnen ça, les États-Unis, c'est un plus gros producteur de pétrole qui existait sous la terre.
Parce qu'en pile en pile monde comme aux États-Unis a courir aller des pétrole l'autre côté, yo ka penser États-Unis pas pétrole. Non non, États-Unis sont gros tonton producteur de pétrole, on gros tonton producteur de gaz. Notamment semaine ça yo États-Unis vendent pétrole et vendent gaz liquéfié à l'Europe. Et les gaz de schiste là, ba États-Unis ont paquet mine gaz encore. Ça veut dire l'OTAN il a parlé des États-Unis et ben États-Unis sont gros tonton producteur de pétrole lié. Ça veut dire l'Orive Texas ou après tout alors la capitale du pétrole mondial c'est Houston. Donc, gros base, groupe pétrolier, c'est Houston base. Eh bien, oui, les États-Unis sont gros tonton producteurs de pétrole. L'OTAN dit à palo des États-Unis d'Amérique. Là, c'est General Motors. Eh bien, oui, qui même qui fait machine. Pile gros machine, Daimler, Chrysler, nous qu'on a regardé. Eh bien, oui, c'est eux même qui fait. C'est GM. GM qui lui-même fabrique machine. Et c'est un trois plus gros groupe fabrication machine qui gagne sous la tête. Ça veut dire, les États-Unis, c'est ça, aurait les numéro 1. Eh bien, General Motors, eh bien, lui-même, c'est un gogo tonton groupe que États-Unis gagne qui gagne basé ou même dans Detroit. L'on parle de automobile États-Unis, automobile là gagne basé dans Detroit, dans Michigan. Alors, on te parle non timon de ça. Alors, monsieur, dame, de sacré les GAFA, et bien, yon nan an GAFA yo, c'est Apple. Apple, là, même ça existe, c'est Mac là, la Mac POM. Et bien, c'est petit POM ça que nous ouais sur iPhone yo. Moi, m'bouko kon servi iPhone, ou kon iPhone nan trop éclairé pour moi, et puis m'bagen comme ça, m'gen trop famille pov nan la Tibonite, donc m'bouko kadou nous sakte la den. En tout cas, GMC en même, c'est machine, États-Unis. Là, c'est General Electric. General Electric, qui lui même son gros gros tonton mastodonte économique, que les États-Unis gagnent tout, qui lui même gagnent pile en pile investissement à l'étranger. C'est-à-dire, il y a pas des États-Unis, et eh bien c'est AT&T. AT&T a nous connaît, nous avons un haïtien qui lui-même te vin dirige Itel qui te gen gros poste dans AT&T. Alors, m'a connaît si gen mon ba live là qui te gen tan et connaît Itel. Alors, sou te gen tan kon Itel, et eh bien met Itel là te gen tan gros tonton dirigeant dans cadre AT&T. Donc, m'a connaît si gen mon là te gen tan connaît Itel. Et eh bien Itel, zanman lui a parlé de Itel, et eh bien met Itel là. Malheureusement, et pour des raisons m'ta ka di amoureuse, ou une Prival t'a va le craser Itel. Et t'as le voyer mettre Itel en prison. Alors moi les bails là pour des raisons amoureuses. Nous allons comprendre pourquoi ça moi les pour des raisons amoureuses là. Parce que oui vraiment son ex même qui t'es galère, t'es un petit problème ni avec nèg là, avec Frank Sinetti mon. Petit problème qu'il y a avec vieille cause et femme. Ça a dit nèg a fait pays et puis Yoshita nan radot vieille cause et femme Timon. Oui vieille cause et femme vieille radot fait nèg a crason bon en pays. C'est vraiment des monde qui pas comprendre rien nan rien zanmam. Qui rapport cause et femme avec économie. Alors femme dit nous était à l'arrêté Frank Sinetti à l'époque. Frank Sinet était malade, yo mette Frank Sinet derrière deux camions anti moun nan mi ton soleil chaud. Ah, oh bah grave dit moun. Moi dit nous oh bah grave. En tout cas Prival papa et Prival la son nèg ko salié tou. Oui, ça nèg ki pa konn femme, nèg ki goumen pour femme, nèg ki pa konn femme. Emmerdez li moun. Don avance monsieur dame. En tout cas AT&T, et ben li même zanmam, c'était yon nan gros tonton compagnie ça qui gagne aux États-Unis, ça est dans domaine télécommunication, dans domaine appel téléphonique zanmam. Et ben AT&T sont gros. Gagne Verizon tout le monde. Verizon, et ben son l'autre bel mot, son l'autre gros mot, l'autre on parle de Verizon. Verizon les même tout qui a bail service téléphone ou ka ouais, réclame Verizon qui a passé bon la caillou très souvent. Alors ça c'est Chevrolet lui-même qui c'est machine que mon États-Unis remet. Oui, dans le sud des États-Unis, nèg yo remet gen gros camion ça yo, gros tonton camion ça yo. Évidemment ou même yore les T-Mobile l'aime fait venir m'a dit on baoué ou non et bah T-Mobile non non pas mobile yo dit T-Mobile me dit mais pas un problème T-Mobile de pas un monde qui me fait faute encore et bah vous messieurs dames si me dit T-Mobile est-ce que mon capable mal encore non pas un monde capable mal et ben T-Mobile et ben lui même zanmam c'est un gros tonton compagnie aux États-Unis. Alors États-Unis tout gen gros tonton compagnie de production yon là d'ailleurs c'est Marvel Studios et ben oui qui a fait gros tonton film comique nous connaît DC Comics évidemment nous connaît Disney qui possède gros parc d'attractions si on la cap gade man ba nan Orlando sûrement nous connaît petit nous si c'est bon papa nous yé bah qu'on fait nan de estimer nan parc d'attraction que Walt Disney gagne nan Orlando tout. Et Walt Disney qui sont groupe mondial gagne Disney World qui présent un peu partout à travers le monde gagne un parc d'attraction à Paris qui très belle. Évidemment Disney qui fait en pile production tout. Donc ça c'est des grands et méga productions hollywoodiennes que a fait. Alors nous beaucoup d'acteurs non, là n'a pas d'aspect économique. Donc Marvel, Studio, Disney, Sony, eh bien oui, yo tout c'est des gros tonton mastodonte que yo dans domaine paioa. Évidemment, yo dans musique tout et Universal, Sony dans musique. Alors IBM longtemps c'était gros ordinateur. Oui, ah IBM ni oui, depuis yo IBM ni yo ka fait ordinateur à crédit. Oui, même si yo
et Wolgen Steven ordinateur, ordinateur a fait seulement 2 jours après 2 jours le gâté et comme moi toujours dans mes Wolgen, je me dis d'acheter bail là dans 1200 dollars dans mes Wolgen Steven ça. Wolgen Steven ça, ordinateur va vous 1200 dollars va nous pour 1200. Qu'on a me considérer me 1000 l'amo. Donc je dette pas contre vie ou 2000 dollars tôt. Et ben Microsoft Simon, Microsoft c'est ça ou un logiciel. Et ben oui cap fait logiciel pour computer. Microsoft c'est compagnie Bill Gates là et ben oui cap fait logiciel. Donc là nous avons toujours gros gros tonton groupe qui dans domaine Timon et bien informatique n'a pas eu technologie de pointe. L'audi IBM, l'audi Microsoft, ou a pas les membres de technologie de pointe. L'audi Netflix, grand pile en pile les gars en Haïti qu'on a demandé mon compte Netflix. Mon demandé ça pour au favel, c'est les sabdim. Oh non, Fernando, nous grand pile bail nous café avec lui. Nous garder Netflix en Haïti oui. Oui oui, je joue jeudi à Cal Saint-Il, mon compère pam et bien oui c'est sur Netflix mon li. Et Cal Saint-Il, mon compère pam sur Netflix mon mal compère bi. Mon compère ouvert quoi sur Netflix son. Oui, même pas gain temps regarder télévision, ouvert vous t'allez garder pour moi s'il vous plaît. Vous t'allez mon compère Cal Saint-Il. Netflix Timon qui lui-même c'est un distributeur donc dans cause cinéma tout et qui produit film bal et qui lui-même vend tout et ben oui vend image tout en avance Timon. Là nous avons Sony Music. Sony Music sont gogo tonton groupe zamam de production musique même jambe te capable aux zamam de Rock Nation. Rock Nation qui lui-même tout a fait et a organisé spectacle tout. Et ben oui Sony Music et ben oui ça c'est CNN. CNN c'est Cable News Network et ben c'est le worldwide leader in news. C'est-à-dire CNN zamam son chaîne de télévision qui c'est numéro 1 mondial dans domaine que les amam et bay nouvelle sous la tête. C'est lui même qui numéro 1. Alors c'est Fox qui numéro 1 aux États-Unis mais à l'échelle mondiale c'est numéro 1. On t'a parlé nous de Walmart et ben Costco wholesale là son koto fait badjou et pour bra l'acheter des produits en gros et produits ça yo, il y a ba ou bon prix pour produit ça yo. Oui, c'est ça ou les bay pour bon prix pour produit. Et ben Costco c'est ça Costco fait. Costco wholesale. Porte là-bas qu'on ouvert mon yo gèt campé là. Ça y est, mon qui vient travailler bonnet. Moi-même, pas lever bonnet. Pourquoi ça vous me lever bonnet? Côté m'bralé pour m'appeler bonnet à l'éternel. Oui, ou même quand vous là dans la télévision Caraïbe. Moutez volume télévision. Oui, moutez volume télévision, ça passe là. Oui, oui. En tout cas, Costco Wholesale Zamam, c'est ça, c'est un gogo tonton, chaîne de magasin qui a 20 Zamam. Tout ce qu'on a besoin, de l'eau, c'est si c'est là, ma couette là-bas, eh bien oui, yon vend télévision, vend tout bagaille net, ordinateur, titite, couette, gratte, eh bien Costco vend tout net, tout. Costco lui-même, donc, qui lui-même a fait ça. La babille, non, c'est dans l'économie États-Unis, ça y est dans l'économie seulement, mais là, c'est beaucoup à l'autre côté. Alors là, Zamam, n'a pas gardé quelques présidents américains, eh bien oui, qui t'a fait succès dans le pays, ya. Là zamam c'est monsieur ça et ben lui-même et ben oui qui fait succès et pour faire succès non rete dans l'histoire non trompe pas prêté dans l'histoire lui-même donc monsieur ça yo non yo prêté dans l'histoire. Kennedy c'est la nouvelle frontière timoun donc non moun ça yo doit rete dans l'histoire oui trompe pas rete dans l'histoire m'a souhaité trop bien président pays mais s'il vient président m'a dit la vie qu'on s'allie timoun regarde balen nous en tout cas BlackRock c'est compagnie tout aux États-Unis. Alors Macy's sont l'autre chaîne de distribution et Macy's c'est côté nèg acheter plus ou moins à bon marché même si il y a un certain nombre de étage papa en l'air dans 34 même papa yo baba pri même non côté au vend costume qui sous donne yo et ben stade ça yo et dans niveau étage ça au 5e 4e 5e côté au vend beau costume yo là au papa pri timon sans ba remet ba ba pri en avance messieurs dames. En tout cas nous connaît les qui remet fast food les qui remet manger précis manger rapide les qui va chita dans toute table pour manger madame yo et pour y a pour n'a venir servir yo et ben yo là qui dans McDonald's mais tourne McDonald's là au te cal dans Wendy's tout ou te doit dans papa et tout parce que pas manquer aux États-Unis qui KFC tout et oui aux États-Unis même chargé fast food a fait causer mon grand aux États-Unis c'est alors tembel net ti moun pa même bot là depuis mette li fait bel ou pas besoin poser une question Black Alex dans zone là Black Alex s'il te mouri l'a plevé avec tembel en nabil. En tout cas ça c'est Pepsi et nous connaît Pepsi c'est grand rival Coca-Cola donc n'a gèche Coca-Cola peut-être plus devant c'est dans l'économie des États-Unis nous donc Pepsi qui sont gogo tonton producteur donc de paroles qui gagne rapport avec boisson timoun notamment des boissons gazeuses oui Diet Pepsi c'est là ma couette là-bas. Alors ça c'est Tesla nous te remet Tesla devant monsieur ça que les Elon Musk qui a vendu machine ça Tesla dans Tesla ça me remet c'est Cybertruck là me remet oui Cybertruck là me remet en pile moi l'on petit Jean Gonnet les Gonnet pour moi il m'a dit m'a monter moi m'a pas monter. Alors monsieur ça c'est Steve Jobs lui-même qui malheureusement mouri ça c'est Bill Gates qui pendant longtemps était qui était plus riche que sous la terre qui lui-même c'était dirigeant Microsoft qui gagne tout fondation Bill et Melinda Gates qui sont ancien madame ni madame dans l'autre qui t'orine dans men tout nèg qui gagne comme pile là d'ailleurs perdit madame yo Elon Musk perdit femme ni Bill Gates perdit femme ni Jeff Bezos perdit femme ni et pour même son petit malheureux mon dable chouer dans Richard Van on femme qui tout sorti pour mourir ça qui passe là et problème dans ça gros série de monde qui pas comprendre les choses Bill Gates perdit femme Jeff Bezos perdit femme on a aller messi
pas la même. Elon Musk pas une femme. Et pour même on ti malheur des moments où il si gros malheur est qui quitte ou qui caville vraiment et quitte l'alba ou nous l'autre service et puis qu'on y offre mourir. Et problème dans ça oui. Voilà le problème de ce pays. Nous sommes un monde qui va cesser. Grand nèg petit femme malheureux et mes amis. Bon, comment te faire une femme même pour commencer? C'est problème dans ça oui. Comment te faire une femme même pour commencer? Son malheureux et ça malheureux pas droit des femmes en merde les mots. En tout cas monsieur dame, n'a pas les ensemble de un mastodonte économique, les n'a pas les ensemble de pays ça yo, les États-Unis d'Amérique. Donc les États-Unis d'Amérique c'est mon son gros bagaille, son gros lobby. Alors là monsieur dame, yon n'a président États-Unis mon pire mais c'est monsieur Sakurili, Barack Hussein Obama, parce que Hussein n'a prend Barack là seulement. Nous on pour ça pour des raisons politiques. En tout cas Barack Obama qui c'est un grand président pays, il y a même qui nous trouvons Kennedy sous image là, nous trouvons Richard Nixon puis devant sous image là. Ça c'est époque donc et célébration ti moun. Les nèg yo t'ap écrit donc l'acte de l'indépendance des États-Unis. Oui oui, on avance monsieur dame. Alors me dit nous chevron, chevron c'est Texaco te gagne. Na Texaco yo pompe ça ou vle. Moun yo grand moun, yo pompe ça ou vle na Texaco. En tout cas Texaco qui sont gros dans ton major pétrolier États-Unis donc gagne. Là nous dans McKesson, McKesson Corporate Headquarters, eh bien oui, zanmanm, les États-Unis pour compa il pas manquer. Alors ça c'est le premier modèle iPhone yo et nous essayons mettre li t'ap présenter. Eh bien oui, monsieur ça, c'est lui-même qui derrière toute invention ça yo ko wè a, malheureusement li mouri dans un cancer. Alors là c'est des transporteurs aériens. Moi toujours fait différence pour nous entre transporteurs et compagnie aérienne. Transporteur aérien c'est compagnie qui porte moun, qui porte fret. Yon là d'ailleurs c'est American Airlines, American Airlines moi tout c'est ça qui dans niveau. Eh bien oui. En tout cas CVS, ça c'est l'océan pas bien, le sens ou pas bien, on va le dire, médicaments, et bien oui, ça même, tout ça, c'est des chaînes qui viennent aux États-Unis. L'OTAN donne un civil, c'est évidemment Boeing. Boeing, lui, c'est un constructeur aérien. Mais c'est un transporteur aérien, hein. C'est un monde qui a transporté des produits, qui a transporté des monde. Alors, excusez-moi, l'OTAN dit, m'a parlé de constructeur aérien, et bien constructeur là, et bien son monde qui a construit avion, qui a fabriqué avion. Je vais mettre le gros mot fabriquer, oui, fabriquer avion. Et bien Boeing, son constructeur aérien, c'est un gros major qui vient aux États-Unis et tout. Alors là, on dit Boeing, son compagnie de défense pour le monde qui va connaître. Même si elle fait avion civil, mais c'est quand même un groupe de défense. C'est-à-dire, majorité gros ton avion ou l'armée américaine gagne, et bien c'est Boeing qui fait. Évidemment, ça c'est HP, HP c'est Hewlett Packard qui lui-même a vendu ordinateur tout. Oui, oui, ça qu'a fait là. Et c'est ni pas manquer bagage ou saute na IBM et ben ou al na HP ti moun ou saute na HP ou al na MacBook en merde les moun ba yo pas facile alors gagne connait ordinateur tout vend même prix non évidemment ça sont le transporteur aérien c'est Delta Airlines nous connait JetBlue alors moi m'pa connait non konta de moun a parlé de Spirit m'pa connait ti moun non ba bay moi même m'pa connait konta de moun a parlé de Spirit donc gagne JetBlue gagne American Airlines gagne Delta ti moun pas manquer compagnie ça aux États-Unis alors dans banque ou ka choisi sauve les PayPal qui sont moyen de paiement électronique même j'en connais gen Cash App même j'en connais gen Zelle et ben gen PayPal tout on met des le monde pour monde qui connaissent pas PayPal alors États-Unis tout gen des marques pour rad nous pas prêter sous yo ou kon Ralph Lauren ou kon Nike et ben oui ti monde saute dans Timberland taléa évidemment kon jeans Levi's sur lui même t'es fait la conquête de l'ouest côté nèg t'a pas travailler dans mine l'or et ben oui Calvin Klein lui même qui c'est ti compagnie des maman cap vend des slip et ben oui ça y baï nèg qui bagain madame nèg qui bagain madame cap Calvin Klein l'or gen madame ti monde chercher l'autre plus gros mac évidemment Victoria's Secret cap baï mesdames yo plusieurs secret gen alors faut nous t'a parlé de sucre ou t'a connait qui volume de sucre ou gain faut parler combien sucre elle gain hmm? So ba m'tap souhaiter connait son information eh m'tap souhaiter connait qui va les secrets ou gain pa mesdames yo refuser parler nous de sucre eh pour nous ka connait alors là m'sorti dans causer ça lui même qui lié avec économie là va rentrer dans musique dans des stars américaines là nous avons en face de nous Dr. Dre. Dr. Dre c'est l'un des plus importants milliardaires du rap américain, l'un des tout premiers. Dr. Dre qui derrière ça relé de beats là casse avec deux beats ça monsieur Van Gogh. Dr. Dre Timon c'est California. Dr. Dre Timon c'est Tupac. Là c'est Jay-Z. Jay-Z qui est un autre milliardaire du rap américain à la tête actuellement de Rock Nation, à la tête de Rock Sport. Et ben Jay-Z wa pouwe qui vient signer Vinicius, eh bien oui, Vinicius qui l'a Kylie chez Rock Sport. Eh bien oui, monsieur, dame, this is Jay-Z. Jay-Z, c'est le mari de Queen B également. Là, c'est le plus grand d'entre tous. C'est Michael, Michael Jackson. Il y a Michael Jackson et les autres. Il y a Michael et les autres. Michael Jackson, eh bien oui, c'est la plus grande mégastar du siècle. Du siècle d'avant, du siècle d'après et de certains autres siècles qui vont venir actuellement encore. Eh bien oui, Zamam, Michael Jackson qui est le plus grand d'entre tous.
Donc là parler de culture aux États-Unis, eh ben oui, on va commencer à parler de monde ça yo, des monde ta coup Taylor Swift, des monde ta coup Beyoncé. Oui, Taylor Swift lui-même qui lui-même et on t'a dit ramasser toute bagaille net qui t'ai gagné à la vente. Li pas qui t'en rien ti monde. Beyoncé ramasser toute bagaille tout qui presque gagné à la vente. Oui, c'est des monde qui ça les multi-platinum CD, monde qui remplacer qui remporter depuis ces Grammy Gallo, c'est Beyoncé qui remporter plus Grammy Awards. Et alors que c'est madame Taylor Swift nous ya qui lui-même prend plus album of the year. En avance monsieur dame. Et mesdames, yo, c'est 50 Cent quand même. 50 Cent, c'est l'ex de G-Unit, mais maintenant qui est producteur. Et bien, oui, dans le domaine production, monsieur a marché. Oui, monsieur, même avec Tyler Perry, monsieur gagne, on plie. Comment il va y avoir ça? Pour le café film, ni de manière indépendante. Alors, le bac, on a niveau Tyler Perry, non? Et c'est Kendrick Lamar. Il y a Kendrick, il y a Drake. Drake ne fait pas le poids. Pour tout le monde qui consacre les bifs, si on a des données pour le déposer, là, on a déposé la même isolant ou autre, oui, Timon. On a déposé la même fantôme, même isolant ou autre. Tellement de données qu'on a. Il y a eu tellement de données qu'on a, tellement de données qu'on a déposé. Eh bien, oui, monsieur, dame, ça c'est Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, oui, l'enfant de LA qui lui-même a abdominé le marché mondial là. Lui, c'est. I'm gonna clean out of my closet. This is Eminem. Eminem. Always the Eminem show. Chaque sa Eminem sorti c'est hit. Eminem pas fait l'autre bagaille que hit. Depuis Eminem passé dans zone là c'est hit. C'est encore Taylor Swift. Taylor Swift qui lui même c'est un génération, son talent générationnel, j'ai ou dit ça aux États-Unis. Donc États-Unis tout c'est le pays de Elvis Presley. Elvis Presley, le roi de Las Vegas. Et bien lui, Elvis, il y a Elvis et les autres. Il y a Elvis, c'est le pays de Whitney Houston. Whitney Houston qui mourit, je ne connais pas si l'appelé vont les. Mais Whitney Houston lui-même, c'était un talent né également. Ah oui, la talentueuse Whitney Houston, comme actrice, comme chanteuse, c'était 10 sur 10. Alors malheureusement, une vie tumultueuse. Et sous traque ça, je salue Bobby Brown. C'est Mariah Carey. Mariah Carey, même sous elle pape mené, des boutons des amants. All I want for Christmas, la bral parivé, yo geta koné Mariah Carey ap soti. Mariah Carey son moun ki font musique chaque année le mené, di moun. Oui, chaque année le mené. De pou bral rivé dans zone 18 décembre, c'est Mariah Carey seulement kap mené, parce que toute radio c'est Mariah Carey ap bay. All I want for Christmas, ou pas besoin que tout. Ça c'est MTV. MTV li même qui sont gros gros ton groupe musical qui fait MTV Awards. Alors évidemment, dans BET Awards, nous te oué Wyclef Jean avec Drapeau Haïti, t'as bral chanter avec Lauryn Hill, avec Pras, non réunion équipe Fugees là, eh ben oui, dans BET Awards 2024. L'homme qui a posé ses pieds sur la lune. Eh bien oui, bon voyage aller où tout s'il vous plaît. C'est Eminem, Eminem, The Eminem Show. Évidemment, l'on parle des États-Unis, l'on aller New York, yo du statut de la liberté, la liberté, la liberté à son prix, la liberté. Freedom is not free. You wanna know this one? Freedom is not free. Évidemment, l'on parle de New York tout ce monde. C'est on équipe gros tonton building, yon la de c'est World Trade Center, alors ça c'est côté que t'écrasé, mais gen One World Trade Center là, qui vous fait sous même espace là tout le monde. Ah, l'éternel, l'on parle des États-Unis, tout le monde, ou pas manquer bagay, gen bagay, gen bagay. Alors le sport américain, c'est quand même le football américain. C'est pas sans raison où vous mettez le devant, c'est NFL. Même si son seule action fait à pied dans le football américain, yon relé le football, yon relé sa gros neg c'est l'État. Nous même nous toujours gros fréquent dans nous, moi même pas fréquent tout le monde. Gros neg c'est l'État, l'on parle de football américain, et bien football américain, et bien oui, c'est lui même qui football pays. Moi même respecter ça, Timon. Évidemment, l'un des joueurs américains les plus appréciés, les plus populaires, this is the king. Le king avant l'autre king. Michael Jordan. Michael Jordan qui représente à lui seul le basket. Oui, Michael Jordan, l'homme aux 6 titres NBA et 6 titres MVP, s'il vous plaît. Eh bien, Michael Jordan, eh bien oui, c'est la Dream Team de 1992 également. Eh bien, Michael Jordan qui a fait succès énorme, qui a fait un succès énorme chez les Bulls de Chicago. Eh bien, lui, c'est Michael Jordan. L'autre larron, LeBron James. LeBron James qui est l'homme ayant marqué le plus de points en NBA. Il y a Kobe. Kobe, c'est moi. Kobe c'est moi, Kobe c'est mon pote, Kobe c'est mon fils. Et bien Kobe Bryant de regretter mémoire et accidenté. Et bien malheureusement, en tout cas Kobe Bryant c'est une autre légende du basket américain. Quand on parle d'NBA, bien là ces figures là, les gens comme Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Stephen Curry, LeBron James, Scottie Pippen et évidemment Sa Majesté Michael Jordan. Oui, Sa Majesté. Oui, oui. En tout cas, Stephen Curry, et oui, ce sont les paniers à 3 points. Oui, n'a causé 3 points, si mon doit faire affaire pour. L'âme traversée dans le box. Il y a ce monsieur-là. Ce monsieur-là, c'est un homme qui n'est pas du niveau de Mohamed Ali, mais qui est beaucoup plus riche que Mohamed Ali. Son nom, c'est Money. Pourquoi Money? Parce qu'il est riche. Floyd Mayweather, a.k.a. Money Man. Oui, oui. Il n'est pas aussi talentueux que Mohamed Ali.
mais il est plus riche que tout le monde. Son nom c'est Money. Money, oui, Floyd Mayweather. Il gagne tellement d'argent, il se fait appeler Money. Il y a André Agassi en tennis. André Agassi, le grand rival de Pete Sampras. Là, c'est le the legendary Mike Tyson, le mordé des oreilles. Ça veut dire, c'est quoi le mordé des oreilles? Ou Amadou Ngoune qui était là. Évidemment, c'est Billie Jean King. Billie Jean King chez les dames, c'était bien avant Serena Williams, bien avant les sœurs Williams, bien avant Coco. Tout le monde connaît Fernando Remé Coco. Et Fernando, t'es pas la maman Coco, papa Coco, que t'as pas les créoles avec nous. Nous, quand on a une vidéo, moi, son j'aime passé tout sous télévision Caraïbe à l'époque, c'est Jacques Hans Villefort, Jaco et Richard et Pierre Richard. Et ben oui, Richard Zamam pour final, sa finale que Coco avait gagné. Moi j'aime Coco, j'adore Coco, j'aime Coco, je vais choisir Coco à chaque fois, mon dieu. Oui, à chaque fois, mon frère, je vais choisir Coco. En tout cas, Coco qui est l'espoir du tennis américain. Mais avant, il y avait cette dame Billie Jean King, et le centre de tennis s'appelle donc Billie Jean King. Donc de USTA, ils ont construit donc le USTA et a construit donc à Flushing Meadows un centre de tennis qui porte son nom Billie Jean King Tennis Center. USTA, c'est organisation ça qui lui-même n'a causé tennis aux États-Unis. Donc on a déjà parlé de US Open à Flushing Meadows, et bien installation yo, c'est non madame Salvoté, Billie Jean King. Billie Jean King qui était un membre, une dame, alors une dame qui était droit dans ses bottes, c'est-à-dire lui-même lui c'est ça où il est. Et ay, comment il baye ça yo encore? Lui c'est ça, oui, lesbienne. Donc il c'était lesbienne dans l'époque ça, moun pat vla accepter lesbienne, et ben goumé en membre pour droit homosexuel yo. Alors même dit le lesbienne, il dit pas lesbienne encore, non, il c'est lesbienne, donc il était goumé pour droit homosexuel yo. Alors dans la catégorie des acteurs, on peut prendre ce qu'on veut. De Chuck Norris à Leonardo DiCaprio, on passe par Sylvester Stallone et tout le tralala timoun. Leonardo DiCaprio, moi chaque temps regarder Titanic en 98-99, moi c'est monsieur mourir le relevé. Me dit qu'est-ce que comprendre monsieur, monsieur chaque jour regarder la femme dans monsieur mourir, me crier pour lui le relevé. C'est quelqu'un de sans respect pour les gens. Moi pas ou pas mourir, me crier pour relevé. C'est mourir mourir timoun, faut attendre moi. Ou pas mourir zaman, ou fin mourir 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 pour n'a pour relevé. Alors Eddie Murphy lui, c'est le flic à Beverly Hills que j'aime le plus. C'est Eddie. Eddie c'est Murphy. Murphy est c'est l'homme aux 25 enfants. Oui, oui, monsieur Fetimoun, monsieur Fetimoun, papa. Monsieur papa, il est lui-même, c'est préservatif là, c'est lui-même niveau cause à femme, peut-être lui. Lui-même niveau cause à femme, ni papa, monsieur Fetimoun. Alors, il a occupé autour, oui, Timoun. Oui, il a occupé autour. C'est pas dans bouche, on a connaît Johnny Depp, pas qu'à occuper Valio lui-même. En tout cas, Karim Abdul-Jabbar. Karim Abdul-Jabbar, c'est une légende américaine. Évidemment, Tupac. Tupac, alors, je ne vais pas mettre B.I.G. pour un réseau de c'est parce que je compte B.I.G. pour Jamaïque. Donc, je ne vais pas compter Biggie. Mais Tupac, c'est disciple d'acteur Dre. Ça c'est la Dream Team américaine. Et bien cette équipe là qui est allée gagner la coupe et alors les médailles olympiques, les médailles olympiques. La première médaille, et bien oui, c'est la original Dream Team parce qu'il y a l'autre, il y a Redemption Team, il y a Redeem Team. Et bien ça c'est original Dream Team dans tout le monde. Qui a gagné Amiral Laladan, David Robinson, qui a gagné Magic Johnson, qui a gagné Larry Bird, qui a gagné Scottie Pippen, évidemment, Sa Majesté, Michael Jordan, évidemment zanman, Denek Takou Charles Barkley. Évidemment, des nèg tankou Michael Jordan, des nèg tankou John Stockton, des nèg tankou Karl Malone, ça m'a dit beaucoup de basket. Je suis un enfant des années 2000. Mais qu'est-ce que vous racontez là, cher monsieur? Un enfant des années 2000 qui pas contre basket, ça n'existe pas. Non, non, ça n'existe pas. Depuis c'est Timoun 2000 ouye, grosse série de bagay, ou qu'on est ou à l'avance. Donc, les palos des États-Unis d'Amérique, c'est quand même ça, zaman. Donc, c'est un paquet de gomiga star. Ça, c'est Richard. Richard, eh bien, lui. Il est aveugle, mais il est célèbre. C'est comme ça. Oui, oui, c'est comme ça. Alors, États-Unis, Timon, choisis Patriote. Patriote, c'est Brady, Tom Brady. Et bien, Tom Brady avec New England Patriots qui ne font pas qu'être succès. Alors, retirez pas les Lakers, Timon. Ça, c'est Boston. Boston Celtics qui a remporté couple en 2024. Et bien, oui. Et bien, équipe ça, non, ça, c'est équipe qui est Kyrie Irving là-dedans. Mais l'équipe par là, il y a Jason Tatum là-dedans. Et bien, oui, ça, c'est bon équipe. En tout cas, Patriote avec Tom Brady. Évidemment, Peyton Manning fait gros ton succès tout. Non, et football américain. Alors, équipe Marcus Smart, là, pas de Kawhi champion. Il retire Marcus Smart dans l'équipe là. Équipe là champion. Boston Celtics, ça l'a remporté. Et bien, oui, championnat basket là. En tout cas, l'autant il y a parlé de Boston Celtics. C'est une belle équipe, c'est une grande équipe. Comme les Los Angeles Lakers, Boston Celtics, c'est l'équipe qui petiterait dans NBA. Alors, quand pile en pile jouait aux États-Unis, il y en a dans Yomgadino qui populaire en pile. C'est MLBA. MLBA, c'est Major League Baseball là. Alors, États-Unis jouent en pile hockey tout. Hockey sur glace. Alors, il y a parlé des États-Unis.
fini ti moun, ou ka choisi sauve les jon vle koto vle, mais les États-Unis pas un petit modèle pays de piti piti, non c'est un grand bagay, son grand lobey, l'OTAN des amam y'a palo des États-Unis d'Amérique. Alors il y a parlé des États-Unis d'Amérique, et ben équipe Boston Celtics là, et ben will pas qu'un petit petit monde, mais Boston Celtics c'est quand même Boston, Boston, Boston. Alors États-Unis pas manqué actrice, moi ce que je choisirais c'est Julia Roberts, tout le monde connaît pour qui ça déjà pour Bushley. Ah mon cher, Julia Roberts. Aïe aïe aïe. T'as quoi je nèg femme ça me tabat. En tout cas, Martin Luther King lui-même zanmam qui c'est l'homme de I Have a Dream qui est même important pile aux États-Unis, Martin Luther King qui gagne 11 jours aux États-Unis qui sont jours congé pour tes noni. États-Unis pas congé facile, l'OTAN donc nèg ka gon jours congé pour tes non aux États-Unis, et ben son nèg loulier. En tout cas, c'est Martin Luther King, même pas capable Martin Luther King pour me baraler l'autre de USA qui lui même son l'autre là on que système n'a pas de vle ouais du tout. Martin Luther King te dit la système non, monsieur système n'a pas de vle du tout. Qui c'est Malcolm X qui est le révolutionnaire, Malcolm X lui même qui était un langage qui était j'anglais pas lui Martin Luther King qu'on parle qu'on lit Martin Luther King c'est pasteur l'église Ebenezer monsieur ça même son langage street li balo c'est street là dans street là c'est la nèg yo prend cam nous puis shoot que Beckham oh no m'konnon pas pepo pour nèg pam nous bouger tant comme ovo et ben oui ça même là c'est Tiger Woods lui même qui c'est golfeur ça qui était pi important te gagne même si pi important bah il est passé bah il connait nous c'est du passé timon. En tout cas Tiger Woods et ben oui son symbole tout des États-Unis sportive. Ah oui, il y a les États-Unis du sport. Ah oui, la République étoilée sportive. Eh bien oui, ça c'est Jeff Bezos. M'te dit nous Bill Gates perdit madame ni lui-même tout le perdit madame ni tout. Oui, moun ki pi riche sous la terre perdit madame. Ou même sous perdit madame ou sorti pour faire compte. M'pa konn pou ki so bien faire compte. Grand nèg perdit madame yo. Alors lui c'est Mark Zuckerberg, eh bien c'est monsieur qui était Harvard Timon. Là il fait compagnie li timon, li monte California, là il fait compagnie ya et puis reste qui t'était va dire le faire venir travailler pour lui. Zami a dit sorti là oui, il même quitter l'école là. Qu'on y a bon million de dollars avec un diplôme qui soit prêt. Réfléchis encore, il y a bon million de dollars avec un diplôme qui soit prêt. Et ben monsieur Zami li quitter l'école là, là il fait compagnie ya. Qu'on y a Zami quitter l'école, il fait venir travailler pour lui. Ya merde les monde. Après elle fin grand nèg d'être l'école là, relé pour l'école là dit mon chef vini n'a bon petit diplôme honorifique. On merde les monde, ça merde dit là, ba yo pas comme ça reto. Li quitter l'école là ti moun là le fait comme là, kou ya nèg quitter l'école, yo le fait venir travailler pour lui. Oh la vérité ti moun gonjel commencé. Ça c'est Karim Abdul-Jabbar, c'est du capitaine, ça c'est le LeBron James qui dépassé le nombre de points dans NBA. Oh, ça m'a dit donne pas oh, vous avoir comprendre. En tout cas Karim Abdul-Jabbar qui lui même t'a fait succès. En tout cas Jeff Bezos à un certain moment c'était l'homme le plus riche du monde. Ça veut dire il va rapide rouge encore non? Ça veut dire c'était le passé, c'était du passé. En tout cas ça c'est Morgan Freeman dans la rubrique des acteurs. Il y a Morgan Freeman que j'aime énormément. Il y a Samuel L. Jackson que j'aime également énormément. Il y a Denzel Washington que j'aime également énormément. Et m'paka choisi Timon. Non, m'paka choisi le bad boy qui est de retour. Et oui, quand le bad boy est de retour, même Lionel Messi se prend pour bad boy. Et bien Denzel Washington, c'est monsieur Rivadi Kotio. Oui, Denzel Washington, Sam Pire Meato. Et bien oui, tout homme peut être un artiste. Et bien lui, c'est un artiste de la mort. C'est comme ça, Timon. C'est Denzel Washington. Ça, c'est Will Smith. Will Smith qui a passé son mise avec madame Nigel l'autre nèg sous lit. Et bien, faisait nous, faisait boy ici, à la télé, nous, on fait faisait nous-mêmes. Madame Nia passé l'autre nèg sous lit. Son problème, bah, ça y est pour famille. Et bien, oui, madame Nia prend Timon qui était petit, yo. Et comme ça, madame Nia, il est Jada Pinkett Smith. Alors, bah, Timon, bien léger, bah, dans la bouche, on a comme bagaille comme ça. On avance, Timon. Alors, il y a quelqu'un qui est là pour faire mon riz. Et bien, Kevin Hart, lui-même, lui fait mon riz. J'ai son riz, ici, ou bien son blague. On avance, Timon. C'est Sylvester Stallone, l'homme de Rambo. Eh bien, l'homme de Rambo. Oui, il n'y a jamais l'homme de Rocky. Oui, l'homme de Rambo. Encore Morgan Freeman. Eh bien, oui, ça m'aime. The Rock, lui-même, qui lui-même t'a évolué dans l'autre catégorie, Timon. Il y aurait ça aux luttes libres. Eh bien, Wrestlers. Ça, c'est Chuck Norris. Pourquoi Chuck Norris? Parce que moi, j'ai aimé Chuck Norris. Chuck Norris, c'est pas le Texas Ranger que j'aime. Non. C'est le Chuck Norris militaire américain. Évidemment, celle-là, elle est toujours la numéro 1 de mon cœur. Je vous parle de cette dame-là, cette ravissante dame, cette bouche-là que j'aime énormément. Mes amis, s'il vous plaît, remettez bouche dame dans les vents. Bon, mon petit souci, madame Sanouréa, c'est Julia Roberts. Eh bien oui, à un certain moment, on disait d'elle qu'elle était la plus belle femme de ce monde. Oh là là, eh bien les États-Unis, ce sont les États-Unis de Julia Roberts. Moi, j'aime Julia. Ça, c'est le Pentagone qui est le siège du ministère de la Défense des États-Unis. L'OTAN ne parle pas de défense, on parle de la fine fleur militaire que représente l'armée américaine.
Ça c'est de One World Trade Center. One World Trade Center là qui lui-même s'est fait sous une ancien World Trade Center qui était écrasé, qui s'est tour jumelle. Alors ça c'est image tour jumelle qu'on y a pas là encore. Nous connaissons ça qui est passé en septembre. Ça c'est de White House qui s'est parlé présidentiel qui puis célèbre qui gagne plus pouvoir gagner sous la terre. L'op parler de écrivain au Timon, nous avons choisi Maya Angelou, commencer au cal Anthony Morrison, et je ne sais pas moi, on choisit ce qu'on veut, les États-Unis, avant, sous ta commencé à choisir écrivain à écrivain, m'bakota privé, avant, évidemment, on gagne Tony Morrison en pile avec Maya Angelou, c'est pour ça, là, en tout cas, l'op parler des États-Unis, c'est le Pentagone qui est le siège du ministère de la Défense des États-Unis, les États-Unis qui c'est plus gros puissance militaire qui vient sous la terre, son puissance inégalée, l'OTAN dit à parler de militaire. Alors comme tennisman, il y a André Agassi, il y a également Pete Sampras, et cette dame là, elle a été la cause d'une discussion politique en avance de monde, une série de monde entre là d'ailleurs. En tout cas, monsieur dame, ça c'est Pete Sampras, Pete Sampras qui est l'autre grand champion américain, l'homme des is, l'homme joue à monsieur toute journée son is la fête, moi j'aime boule là, j'aime une chance pour jouer avec parce que pas boule là. Et chez les dames, il y a Serena c'est Serena, il y a Venus c'est Venus. Je prends Serena always all day. Oui, c'est pour la vie, Serena pour la vie, mais pas pour la nuit du monde, Serena c'est pour la vie dans le langage junior. En tout cas, c'est Serena Williams la grande championne, malheureusement qui n'a pas pu battre le record de Martina Hingis, la Suissesse Martina Hingis. Serena est arrivée à deux reprises tout près de ce record là, malheureusement c'est comme ça. Donc c'est Serena et sa grande sœur Venus Williams, les sœurs Williams qui ont éclipsé le tennis mondial pendant plus d'une quinzaine d'années. Oui, ils ont trusté le tennis mondial pendant une quinzaine d'années. Là aujourd'hui, il y a Coco qui arrive. Je ne sais pas si Coco est aussi bonne. M'pa connais si Coco bon comme ça. M'pa jamais connais si Coco bon comme ça, mais Coco peut-être bon. M'pa connais. En tout cas, ça c'est Richard, eh bien lui qui est un talent né. Même j'ai avec Stevie Wonder, donc n'est-ce pas ouais pendant ou pas ouais, c'est pas moi même qui a dit nous Madonna pas dans bataille. Non, Madonna cherche Timon 25 ans. En tout cas, Nike, c'est compagnie les États-Unis, même j'ai avec Levi's, Timberland tout. Et donc l'on parle des États-Unis Timon, ou presque bah même connaît qui côté pour ta mettre puis ou qui côté pour ta mettre tête tout. Mais évidemment, nous pas capable parler de la fine fleur militaire que représente ce pays. Les États-Unis, eh bien, ils sont la première puissance militaire de ce monde. C'est une puissance inégalée. Vous entendez ça, M'doula Timoun? Oui, c'est une puissance inégalée. L'OTAN, désormais, il n'y a pas l'eau de puissance militaire que les États-Unis représentent. Son gros lobby. Son gros bagay, Timoun. On gros goutonton lobby. Vous entendez ça, M'doula Timoun? Gros lobby. Mes amis, les États-Unis disposent, désormais, de flottes maritimes que aucun autre pays n'a gagné. Bon, pas la veine ou bien, vous entendez. Les États-Unis disposent de flotte maritime que aucun autre pays n'a gagné. Les États-Unis présentent tous les 7 langues gagnées. Vous avez parlé de 76? Eh bien oui, les États-Unis présentent sous le 76 là, sous 7 langues qui gagnent. Les États-Unis gagnent des porte-avions Timon qui permettent de faire s'envoler des projections de troupes. Évidemment, il y a un paquet de porte-avions, un paquet de gros tontons disposés. Il y a des gens qui viennent en Haïti. USSS America qui viennent en Haïti. Lorsque États-Unis, Bill Clinton, a fait opération que les Restore Democracy in Haiti, elle a tourné avec Aristide, restaurer la démocratie en Haïti. Et bien, il y a USSS Dwight D. Eisenhower qui lui-même tout est venu en Haïti. Alors, je ne sais pas si plus vite. Dans la même époque, ça tout, dans cadre opération Restore Democracy in Haiti, restaurer la démocratie en Haïti. Ça a été pour avion ça. L'autre de Bill Clinton t'a voyé soldat qui ont fait partie de sa les 10 Mountain Division yo, en Haïti. Ou bien 75e régiment Rangers yo, et ben yo t'est venu donc en Haïti deux porte avion ça. Mais gain en pile l'autre porte avion que États-Unis gain. L'autre de gain problème dans zone Israël, dans zone Gaza déployé sur zone des porte avion. L'autre de gain problème zan même dans des trois arabes là, dans zone côté Yémen hier, y a déployé tout des porte avion. Et bien oui, pour avion ça yo qui c'est eux même pour voyager pour quoi yo, yo gagne des destroyers avec yo, gagne des croiseurs avec yo, et pas oublier ça même yo gagne si plaisir à bâtir monde à vitesse $2 million par Tomahawk là qui sont missiles les États-Unis gagne 21 million de dollars prix blanchi timon, ça dit sous mourir son Tomahawk qui tout yo c'est 1 million de dollars tout yo, parce que c'est première fois bon 1 million de dollars tout yo to, donc m'pa ko ka fâché pour ça. Donc voilà, ça m'a l'autant dit à parler des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique sont fines fleurs dans le domaine puissance militaire. Les États-Unis d'Amérique, ça m'a dit que la Russie gagne que le pas gagne. Alors la Russie avec les États-Unis, toujours nos discussions. Donc on est, ça Donald Trump te fait l'été président. Il te demande de tester un gros bombe conventionnel que le te gagne dans des montagnes afghanes.
et yo te vin tester le vrai, même dit tester dans les conditions réelles d'opération, parce que tu as une discussion entre ça et les father of all bomb et puis mother of all bomb. Foab, Moab, donc mother of all bomb, ça dit pigou. Bomb conventionnel qui existait. En tout cas, la Russie dit c'est pas lac pigou, les États-Unis dit pas lac pigou. Nous entendons tout le monde, yon gen father of all bomb, l'autre la gen mother of all bomb. Alors en termes de puissance aérienne, pas gen monde qui capable rivaliser parce que États-Unis disposait de avions qui plus modernes et qui en plus grande quantité que tout le monde. Pas oublier tout le gen pile porte-avions, donc il a déployé sur zone plus facilement dans le domaine aérien hein, parce que ça passé ou de comprendre l'autre monde yo pour qu'on a niveau ça. Mais l'autre monde ensemble, yo développé des capacités qui ont même énormes. Yon là des petits monde sont missiles hypersoniques que la Russie s'est réussi à développer et la Chine tout lui-même tout développer des missiles hypersoniques tout bah missiles hypersoniques ça donc que la Russie développer que la Chine développer donc États-Unis beaucoup qu'à répondre avec lui dire ça pas bien missiles hypersoniques là États-Unis beaucoup un système de défense anti-missile qui est adapté pour lui ça dit test sur pas concluant système de défense que rien qu'on y a alors il y a plusieurs quelque là d'ailleurs patriote là par exemple pas qu'à répondre avec elle yo gagne dans zone Corée du Nord là yon y aurait les TAD TAD là qui c'est terminal high altitude area defense qui still tout pas qu'à répondre avec elle mais les États-Unis gagne tout base militaire qui éparpillé un peu partout à travers le monde c'est plus de 800 bases militaires éparpillé un peu partout à travers le monde donc là parler des États-Unis d'Amérique du monde on parler donc grande puissance militaire qui gagne des bases militaires qui éparpillé un peu partout à travers le monde États-Unis donc dans tout coin honnête il gagne une capacité de projection alors en pile monde peut-être pas jamais comme ça États-Unis même yon nan premier monde qui attaqué la Kaili moun sa rele Osama Ben Laden lors attentat 11 septembre la guerre États-Unis fait yo. Même sous tendu il parler de première guerre mondiale ou bien de deuxième guerre mondiale, États-Unis pas jamais goumen la caille. États-Unis goumen caille l'autre monde. États-Unis gagne deux gros tontons barrières naturelles qui protègent. Yon rele océan Atlantique, l'on rele océan Pacifique. Et pas oublier deux voisins gagne aussi deux poids plumes. Le Canada est vide, le Mexique est chargé mais n'a personne. Oui, il est chargé mais il n'a personne. Le Canada est vide, Canada pas gagne monde, le Canada j'aime n'importe monde, j'aime tendu Canada n'importe monde. Mexique plein monde. Mexique plein monde, mais si on est pour appeler Haïti là, le Mexique est chargé mais est vide. Oui, comme ça lié. Les États-Unis par exemple, ont pas qu'un territoire mexicain, les États-Unis voilà l'annexer dans ça la faveur de ce qu'on appelle la guerre américano-mexicaine. Ça y est souvent il y a parlé de général Santa Ana. Moi me songer les étudiants au Mexique, chaque le mawal chercher ti comme moi un problème moi, j'ai ti comme moi ti monde. La Tlatelolco c'est la ministère affaires étrangères pays Mexique là. Eh bien, n'est-ce que vous songez pour y avoir merde d'eau? Voilà, voici la carte du Mexique. C'est le Mexique original. Pour y avoir un Mexique original, là, Timoun. Moi, je ne connais ni Mexique original, ni Mexique original. Si c'est 25 000 pesos, y a 25 000 pesos, seulement je connais Timoun. Mais tout le monde a des problèmes, pas eux. Moi, j'ai des problèmes, pas Timoun. Mais alors, KFC, là, mal défendu. Mais bah, y'a pas facile, Timoun. Chaque monde a des problèmes, pas eux. Pas eux, je connais ça déjà. Les États-Unis, Timoun, prend un tiers dans le territoire Mexique, là. Ça a dit des pays, quand tout le temps, les Californie. Si ton pays est dépendant, il y a un sac pire qui est sous la terre. Le Texas, eh bien, tout saute ici dans Mexique. De Nevada, l'on a parlé de New Mexico, l'on a parlé de Colorado, et bien, tout soutien dans le Mexique, évidemment, Texas, les mêmes fonti démarqué, États-Unis, c'est vide, les États-Unis après. Vous comprenez comment vous faites déjà, Timoun? Les mouns, le temps, jeune, les Timoun, les bons principes, les vies. En tout cas, les États-Unis sont gros tonton mastodonte en termes de puissance. Alors, on a parlé de la mer, on a parlé de porte-avions, pas gain gros tonton puissance qui gain moyen avion, ça y est, pour États-Unis. Mais pour l'armée à tout par une grosse puissance qui est moyen ça auto. La Chine qui a fait rivalité avec les États-Unis dans zone mer de Chine méridionale là. Mais la Chine pas présent aucun autre côté. La Chine gagne 3 bases militaires à l'étranger seulement. Mais les États-Unis gagne presque 800. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc presque 800 bases militaires, la Chine gagne moins qu'une centaine, puis faut aller sur le territoire chinois, 3 seulement à l'étranger. Ça veut dire ce que cela veut dire. Mon compte baillon petit blague, on l'aime songe États-Unis dans contact avec Iran et il m'a expliqué des monde que États-Unis gagne plus avions dans bloc kay Iran que Iran lui-même. C'est-à-dire que pour avion que États-Unis gagne avec présence qu'il gagne dans Qatar et dans Émirats Unis, donc il a metté plus avion sous ligne de défense là que pays Iran qui bon la kay. Ça veut dire que Iran va pas faire dommage. Non. Ça veut dire que les États-Unis ont suprématie aérienne sur tout le monde net parce que les gagnent en qualité et en quantité, ça qui est important. Les États-Unis donc sous l'armée à tout et groupe puissance rival les gagnent, c'est la Russie. Mais la Russie c'est une puissance continentale. La Russie son continent. La Russie pas gagné bel accès bon l'armée que États-Unis gagnent. La Russie n'a bon roi en pile fois le compte fait glace et pas oublier journée jeudi avec la Suède qui est entrée dans l'OTAN avec Finlande qui est dans l'OTAN. Donc la Russie en bois dans Vladivostok, gagne des problèmes bali. Donc pour sortir on partit dans temps presque 5 mois à année à ces glaces pour passer glace et
restant ou le passer dans les territoires que l'OTAN contrôle pratiquement. C'est-à-dire ou perdu un moment ou avantage stratégique ou avantage tactique depuis mon ou la donne encore. L'autre sorti à Timon, c'est sorti koto ou Ukraine a boumé koun avec les États-Unis dans la zone la mer Noire là. L'op sorti dans la mer Noire là, ou bral passer un moment non détroit international que la Turquie qui sont pays membres de l'OTAN. Mété. Alors là, vous connaissez l'école où il est pour venir nager au foot, m'obliger tout beau principe de l'école. Il y a ce qu'on appelle en droit international, il y a parlé de ça concerne la circulation. Eh bien oui, dans des droits internationaux, on applique ce qu'on appelle le droit du libre passage inoffensif. Le droit du libre passage inoffensif. C'est-à-dire qu'on peut passer, mais il faut informer les gens qui vont passer. Donc la Turquie, c'est un pays de l'OTAN. Donc la Russie est obligée d'informer la Turquie que la passer dans le Global Akailiak sont des droits internationaux. Donc c'est écrit en même dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, qu'on appelle communément la Convention de Montego Bay, parce que cette convention a été négociée à la Jamaïque. Pour mon qui compte d'ailleurs parler de Montego Bay, mais cette convention-là, qu'on appelle la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, l'hypothèse non Convention de Montego Bay de 1982. Donc c'est un droit qu'on applique, qu'on appelle le droit du libre passage inoffensif. Donc généralement, sous-marin obligé à monter en hauteur, faut dire mon nom passer pour la Kaili, donc tu perds tout l'avantage tactique. Alors que les États-Unis, c'est des boulevards gagnés. Les gros océans Atlantique qui en face, qui n'y a pas grand monde qui a posé la question. Les gros océans Pacifique, pas grand monde qui a posé la question. Oui, emmerdez les mondes. Donc, ils sont puissances maritimes. À côté de l'autre, là, ils même sont puissances continentales. Alors, les États-Unis, dans la parole, l'armée gagne plus soldats. C'est l'armée pays la Chine. Vous comprenez pour qui ça s'adresse. La Chine, c'est plus de 2 milliards 400 millions d'habitants. C'est le deuxième pays sur la terre qui gagne plus pour donc des l'Inde. Donc, la Chine, en quantité. En quantité, donc le numérique tout simplement, donc la Chine gagne plus monde. Mais l'on regarde des hommes, ça y a aucun lien, différentes intégrations faites dans l'armée. Évidemment, F-16, F-18, F-35 qui ont utilisé qu'on y a eu. On regarde des supériorités aériennes, on regarde des supériorités navales, capacité de projection. Alors, capacité de projection, pas de monde qui a posé question, ça n'a aucun sens. La France gagne seulement un seul porte-avions. Que aurait les Tichal. Tichal, ou pas contre Tichal? Qui moun qui pas contre Tichal? Tichal de Gaulle, lui dit moun. Elle a moun gen de pepe ou bese contre sa moun gen. La France, son sel pepe gen. Tichal, la France pas gen l'autre pepe. Non, sel ti pepe a ti moun, sel porte-avion. Tichal de Gaulle. Côté les États-Unis, même quand ils ont volume. Donc les États-Unis gen sa ou ils ont capacité de projection hors norme. Évidemment, c'est hors compétition cette capacité de projection. Mais, ma précise pour nous, dans le domaine capacité balistique, dans le domaine capacité nucléaire, les États-Unis pas battre l'autre moun yo. C'est-à-dire, Fédération de Russie que Vladimirovich Poutine a dirigé, a gagné pratiquement même fausse capacité nucléaire avec les États-Unis. C'est presque même genre tout pour la Chine. Alors, la Chine, les mêmes, on a deuxième division, on a causé tête nucléaire, yo gagné. Mais la Fédération de Russie et les États-Unis, yo gagné presque sensiblement égal, même fausse tête nucléaire. En termes de qualité, yo tous les dédiés, mais rangé par yo. Donc, on ne sait pas. Vous avez sur des choses, secret défense, pratiquement, yo, en pile, monde tout. Capable de garder toute capacité balistique. Faut me dire nos Chinois ont développé ces dernières années, notamment avec le régime de Xi Jinping, pour ne qui remet cause de défense et sécurité, qu'on est fait bail détail ça yo. Et bien, les Chinois ont développé en pile des capacités et bien, balistiques qui hors normes. Ils ont copié en pile sous Iranien yo. Et bien, ils ont développé des capacités balistiques hors normes. Évidemment, des missiles de croisière, des missiles balistiques. Et Chinois yo, depuis pratiquement 2002-2003, ils ont commencé une modernisation accélérée de l'armée yo. C'est-à-dire, ils ont commencé à envoyer des soldats aller, pas besoin de l'armée pléthorique, ils besoin de l'armée moderne, qui va fait des opérations assez loin de zone la caillou. Donc là, parler de l'armée Timon, les États-Unis c'est la fine fleur militaire à l'heure actuelle, même si il y a des failles dans le domino. Alors pas oublier, il y a pas gain jeune jeudi à technologie ça qui lui même qui sont technologies on t'a presque dit furtif. Et bien oui, qui baille ça aurait on missile les mêmes que l'on missile hypersonique que système de défense que rien la connia que soit patriote là ou bien TAD là qui c'est terminal altitude area defense là pas qu'à répondre avec donc bouclier ou gain pas qu'à répondre avec. Mais évidemment, en pile monde maîtriser donc technologie nucléaire la Konya, au moins 10 pays donc entrer dans le club très fermé des puissances nucléaires et yo développer donc capacité balistique. M'a regardé nord-coréen yo ces dernières années, m'a regardé projection alors micro article dans Nouvelis sous le nucléaire nord-coréen n'importe longtemps temps ou capable Google faire dans de estimer Corée du Nord Nouvelis et pour pouvoir article que m'écrit sous dossier. Alors j'ai travaillé sur les questions nucléaires, j'ai négocié également le traité d'interdiction totale des armes nucléaires pour Haïti. Donc domaine causé ZAM nucléaire, ZAM ça aussi a fait PAM. Et bien, monsieur, dame,
Donc même Nord-Coréen yo m'a regardé des capacités balistiques que a développé Kounia. Alors yo même yo prend prétexte yo du a voyer des satellites, mais ni moi même ni ou même connaît. Alors yo capable mentir, moi pas capable mentir puisque c'est dans domaine même j'avais au mieux. Donc yo pas capable mentir. Donc on comprend zanmam que c'est des tests qui a fait zanmam. Alors probablement nèg qui trouvé au Japon, nèg qui trouvé en Corée du Sud, ben yo connait ça fait. Alors Corée du Sud pas tout à fait ça, par les Corée du Sud apporter d'artillerie. Parce que c'est yo tout roule ensemble. Donc nèg qui au Japon, nèg qui trouve li Hawaï, nèg qui trouve au Guam, Guam et Hawaï, c'est des territoires américains qui pas tellement loin Corée du Nord, yo gagne du souci pour faire tête yo. En tout cas, les États-Unis en même, ça c'est avion président américain, hein? En pile monde pas connaît avion, avion c'est Air Force One, Air Force One qui est même son centre de commandement que président États-Unis a gagne capable résister ti monde même si gon attaque nucléaire en bas. Donc l'autant dit a parlé des États-Unis, et ben les États-Unis c'est l'armée ça qui fait opération en Irak, qui fait opération en Syrie, et son équipe unité d'élite, Delta Force, Navy SEAL, Rangers, on paquet, alors t'as le 10 Mountain Division dans les mêmes qui deviennent en Haïti. Et son paquet de commandement, des commandements, le commandement qui fait opération en Haïti, lui-même, c'est commandement qui lui-même gagne base li en bas là, et bien sous côté États-Unis, hein, c'est qu'on s'allie, c'est mon commandement sud là. Alors ça, c'est hélicoptère président américain, il y a le de Marine One, une fois que président la donne, donc si c'est Marine One qui c'est hélicoptère, donc que président américain servi. Donc on est machine là, c'est de bis, mais de bis, c'est limousine, hein, donc ça, c'est hélicoptère président États-Unis, que il y a donc de Marine One, évidemment, avion lui-même, c'est Air Force One, donc c'est Marine One, Air Force One, n'a pas pour le doc marqué United America, donc Air Force One, parce que le président américain la donne. Ça ici, avion a tombé, c'est vice-président qui a monté, Air Force Two a venu Air Force One. C'est comme ça, pour le pays a dû toujours diriger, tout est toujours gen moun nan tête li. Alors, on parle des États-Unis, c'est une équipe capacité d'attaque, là nous, c'est une rampe de lancement de missiles. Capturer Timon, donc son missile sol-air, donc son rampe de lancement de missile, donc capturer Timon. Évidemment, c'est le pays de Coca-Cola qui a banou Coca, qui a fait Coca, nous-mêmes nous pas nan causer Coca, nous préférer Coco que Coca lui-même. Oui, nous préférer Coco que Coca lui-même, Coco lui-même, qui sont tennisman, alors tennis roumain que les États-Unis gagnent. C'est ti jeune qui vini, moi-même, oui, all day, every day, I want Coco, I need Coco, all day, every day, nous préférer Zamam, prends Coco sous yo, oui, nous préférer prends Coco. Sou yo. En tout cas, l'OTAN dit à parlé des États-Unis, monsieur, dame, moins quoi il faut nous être capable de prendre sans nous pour nous remer en pile, géofoot, parce que ou pas prendre nos bagailles quand même dans géofoot. Ou pas vite dans géofoot pour pas prendre nos bagailles. Sous-tant de vite dans géofoot, ou pas prendre nos bagailles, ou pas besoin de faire rien. Ou pas le prendre, channel YouTube, Fernando Esti, Fernando Live, là, ou abonner avec pour aller regarder l'émission. Parce que ou pas vite dans géofoot pour pas prendre nos bagailles, ou pas prendre nos bagailles quand même dans géofoot. La géo-foot, c'est la géopolitique du football. Eh bien, oui, monsieur, dame, les États-Unis, je ne j'en dis pas, eh bien, achetez Lionel Messi, parce que vous pral fait une Coupe du Monde, Simon. Eh bien, oui, aux États-Unis, besoin tête de gondole. Eh bien, Lionel Messi aux États-Unis, c'est pratiquement une affaire à $1 milliard. Vous ne peut-être pas rendre compte, Lionel Messi, oui, il sera bien milliardaire. Lionel Messi aux États-Unis, c'est une affaire à $1 milliard, opération ça, Simon. Vous ne peut-être pas comprendre, ouais, c'est dans un thème à 1000 jeux, non. C'est une opération à $1 milliard. Je peux vous assurer que Lionel Messi sera milliardaire. Oui, oui, s'il ne l'est pas encore. En avance, monsieur, dame. Donc, ce n'est pas un bagay blague que bagay ça a été. Donc, les États-Unis connaissent le Coupe du Monde. Eh bien, organiser le Timon pour le prendre. Eh bien, oui, pour le prendre, ça a besoin de Timon. Et des États-Unis étant, eh bien, monsieur, dame, m'a dit non, pays ça. C'est un paysan même qui dit tête li, li croit dans bon Dieu, si c'est vrai, va pas pécher pas, eh bien oui monsieur dame, et c'est un paysan même qui au même adoré dollar yo, oui adoré dollar yo, si mon yo remet ça yo adoré dollar yo, bien dit soit là oui adoré dollar yo, yo remet dollar yo adoré dollar yo, ou même pas connait soit adoré dollar, moi dou yo même yo gen dollar yo adoré dollar yo, c'est les États-Unis les mon yo remet dollar yo adoré dollar, et c'est dollar qui mené, ou même pas consacrer les dollars ou même ou pas dans cause dollar ou pas pour dollar. Eh bien oui, les États-Unis même font dans ça en pile. Et c'est la première puissance économique de ce monde. C'est la première puissance militaire de ce monde. C'est une grande puissance culturelle avec le soft power. Nous sommes tout acteur américain, tout chanteur américain que nous connaissons là. Nous sommes gros chaîne télévision, nous sommes MTV, nous sommes CNN, Simon. C'est-à-dire les États-Unis dominent le monde à travers la pensée également. En pile, gros écrivain. Majorité prix Nobel, c'est américain. Alors, je ne sais pas si oui, pays prend plus prix Nobel, on va bien réfléchir, c'est les États-Unis d'Amérique, et dans toute catégorie confondue, les États-Unis pratiquement numéro 1 sur tout le monde.
les États-Unis, c'est de la science également. Gogo tonton, mais compagnie, mais c'est aux États-Unis, l'on fait Boston, même si on est compagnie américaine, mais on a des centres de recherche dans Cambridge, nous sommes on le mal Boston, et puis les gars, tout go tonton compagnie pharmaceutique, mais on a des basio dans Boston, en même dans l'espace de Cambridge. Alors, on parle de Cambridge à toi, on parle de l'espace université, on parle de MIT qui va tellement loin, on parle de Harvard qui va tellement loin, on parle de Boston College qui va tellement loin. Ah, mon cher. Ouh! Aïe, aïe, aïe! Comment il va ça, Emerson? Ah, mon cher. États-Unis, hein? C'est ça, où il y a des bagailles, fait bagailles, ouais bagailles. On parle des États-Unis, Simon. On parle de un mastodonte et son mastodonte qu'on va même arrêter sous lit. En tout cas, Madonna, c'est à fait pam. Madonna, c'est. You only see what your eyes want to see. So how can life be what you want it to be? You frozen when your heart is not open. This is Madonna. Eh bien, Frozen, en tout cas. Et Serena, je prends Serena all day. Eh, all day, ti moun, c'est pour la vie. Oui, c'est pour la vie. Gyon série de moun, c'est pour la vie. Venus, c'est pour une nuit. Mais Serena, c'est pour la vie. Ti moun, c'est pour la vie. Et this is what it is. C'est Richard, Gen Prince. Ouh là là. Ouh. Ou quoi pays gagne pays gagne vite d'être passé non pas gagne pays gagne vite d'être passé États-Unis. Nous allons poser une mauvaise question. Cette question est une question bête. Non pas gagne pays qui gagne vite d'être passé États-Unis. Pays gagne plus vite d'être sous la terre c'est quand même les États-Unis d'Amérique. Pas gagne pays gagne vite d'être passé États-Unis. Dans tout presque tout domaine tout le monde. C'est presque dans football pas nous ça ou les soccer là on va jouer une grosse vite d'être qui est américain. Et là dans presque passé États-Unis parce que Alexis là c'est pas tellement bon passé ça Kobe Jones pas tellement bon passé ça London Dodo van dans c'est tonton rouge qui fait toute ville aux États-Unis pratiquement mais l'on retire exemple dans Major League Baseball dans baseball il y a une grosse vedette dans hockey il y a une grosse vedette dans basket c'est eux même dans football américain c'est yo ça fait pas yo yo man l'on parle de musique Timon country music c'est yo rap music c'est yo I l'éternel yo fait bagay yo fait bagay yo fait bagay ou wè gen moun ki gen bagay en tout cas les États-Unis d'Amérique c'est une mastodonte c'est l'empire oui l'empire son empire que les États-Unis y est les États-Unis qui va dominer le monde à travers Just For Me à travers Anna Montana oh bah ça oui par contre ça au début de l'assaut et ben ou mettez permanent là Timon tu veux Just For Me ou mettez permanent Anna Montana faut chez voter ou l'eau sachez voter mes ou l'eau ben chez vous m'gren qui sachez vous m'gren comme chez vous m'gren et ben c'est ça que réalité ah oui ça en pile fois ça vous pas comprendre que les mondes dominent par la pensée mondes dominent par l'écriture mondes dominent par la science à travers des recherches et développement oui recherche et développement États-Unis sont bah qui très 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 poussé donc États-Unis dominent tout gens ou sont dans Coca-Cola ou passer dans Pepsi leur parler de fast food Timon c'est quand même McDonald's c'est quand même Wendy's c'est quand même KFC et ben Wendy's qui gont fort me décon manger en 2015 l'aime de New York et ben oui monsieur l'aime de New York c'est KFC m'pa jamais oublier Wendy a fort décon sauver la vie m'pa jamais oublier juste en 2020 combien là toujours à $24 fort c'est Popeye l'éternel c'est Subway m'presque la raconter mes amis gueule ou parler des États-Unis s'oublier au plus que son météo l'a parlé des États-Unis s'oublier au plus que son midi. Pas mettre General Motors, pendant mettre General Motors là, côté Daimler, côté Chrysler, côté Bayza, faut me faire météo tout. Oui, les grands majors du Detroit, il faut me météo. Ou même pas météo, tout, m'pa gen temps ti moun, côté m'pa gen temps. Mettre ta fait live là sous 3 jours pour États-Unis, m'ta fait 3 jours à parler des États-Unis d'Amérique. Si m'a parler du magasin ti moun, ou même t'a parler là zaman de causer et comment relé Walmart et Costco bagay sa yo m'té dans mes 6 qui dans côté distribution tout mes amis ou imagine tout ça m'blié derrière tout côté qu'on a acheté m'blié c'est base pas mieux m'songe base boy non oui base pas mieux m'blié 34e là l'a sorti dans bon 6e avenue ou ba gon l'autre bagay qui en face précise là pour ça m'ba songe il ba qu'on a acheté là et l'a sous Times Square là timoun ou ba gon l'autre vieux magasin qui va vendre là non m'ba qu'on a acheté là timoun et vieux bagay au postal yo côté wayo et on va qu'on a là Timon non ça ici c'est base pas mieux seulement qu'on est donc là parler des États-Unis son pays où qu'a fait pratiquement 1 an ou bien 2 ans ou bien 3 ans parler de lui Barack Obama même j'ai Kennedy et ben oui même Jean avec Franklin Delano Roosevelt il a passé comme gogo tonton président des États-Unis et ben oui dans ce qui s'est passé là dès tant qu'Harry Truman dès tant que Franklin Delano Roosevelt dès tant que Dwight D. Eisenhower dès tant que et ben oui Barack Obama dès tant que Bill Clinton tout il a passé comme gogo tonton président. Les États-Unis, moi, c'est un des plus gros producteurs de pétrole qui gagne sous la terre. Les États-Unis qui ont exploité tout gaz de schiste. Je vous dis, les États-Unis ont vendu pétrole liquéfié. Alors, désolé, les pétrole, les gaz liquéfié avec l'Union européenne. Non? Écoutez, son mastodonte, c'est tout.
Et dans les Jeux Olympiques, on pas besoin de faire classement. Les États-Unis ont trois premiers classements. Oui, trois premiers, les États-Unis la donnent dans le pays qui prend plus de médailles dans les Jeux Olympiques. C'est comme ça lié tout le monde. Donc les États-Unis, c'est quand même également I have a dream that one day, et oui, moi j'ai un rêve que on joue petit pas me cacher d'avoir un petit port. En tout cas, rêve là beaucoup fin réalisé net n'attendre ce rêve là en merde les monde. C'est le pays de Malcolm X que pouvoir en place pas très mais gouvernement pas aimé. On connaît monsieur parler monsieur gueule aussi j'ai parlé brutal. Mon yo pas fin mais mon qui parler brutal. Et Tiger Woods c'était le golfeur le plus populaire de sa génération et certainement le plus important de ce sport également. Oui, c'est Caraïbes, c'est Géofoot, c'est Fernando Estimé. C'est le son qu'a fait Timon, c'est abonné avec page Facebook Fernando Estimea, c'est abonné avec channel YouTube Fernando Estimea pour qu'a gagne histoire tout pays ça yo. Oui, pays ça yo qui c'est des pays énormes, qui c'est des grands grands ton pays. Et ben dégage aux amis pour qu'a fait connaître avec pays ou abonné avec channel YouTube Fernando Estime Fernando Live, abonné avec channel Facebook Fernando Estime Fernando Live yo pour qu'a pas prêter. Et ben oui, connaît tout pays qui a participé dans la compétition internationale yo. This is the dream. Et ben the dream. This is Géofoot, c'est Radio Caraïbe. Et les Radio Caraïbes fait bagaille, c'est gros bagaille il fait, c'est gros lobby. Et moi même tout le monde connaît aux États-Unis, moi mais Coco, et moi c'est fanatique Coco, et maman Coco, papa Coco, pas les créoles avec nous, son bagaille consalier. En tout cas, wap jwenn bagaille États-Unis qu'on aime quand même, même si on a tout problème avec gouvernement pays États-Unis, wap jwenn bagaille États-Unis quand même. Qu'on c'est quoi ça? Bagaille là, Michael Jackson, eh ben oui, c'est quand même une star planétaire. Mba konnen si nan siècle k'ap vini ap gen lòt Michael Jackson, mais en tout cas les États-Unis produit talent à n'en plus finir. Son pays qui ba en pile talent. Et mba konnen si nou wa remarquer, mba jam parler du prix Nobel yo la, prix Nobel États-Unis remporté yo, li remporté plus prix Nobel que tout moun net dans toute catégorie. Et mais c'est prix Nobel pour ça m'te pose une question. Et mais c'est simple, c'est clair, pa gen aucun moyen pour garder Géofoot pour pas apprendre un bagage nouveau. Pas gain aucun moyen pour garder Géofoot pour pas apprendre nos bagailles. Géofoot là son l'école liée et c'est l'école nous fait dans Géofoot là que télévision Caraïbe pote pour vous, ou même qui t'a coûté nous sous chaîne 22 sous petit écran journée jodi a tout côté en Haïti et dans monde là. Merci tout le monde, c'est ton plaisir pour nous t'entrer la caillou. C'était Fernando Estimé, Géofoot pour Caraïbe FM. Alors télévision Caraïbe, désolé.